peut vivre dans le monde digital et Maurice nous finit prendre sa tendance. Il est important qu'il nous développe, nous finisse, qu'il y ait une base, que nous croyons exactement, la stratégie qu'il peut mettre en place. Et je donne une cause trois grands axes. Et le dernier, c'est Artificial Intelligence. Et Maurice peut positionner lui-même comme une plateforme. Et mon corps nous finit reconnaître à travers le monde de beaucoup de achievements qu'il nous finit faire. Et mon pensée qui, et à travers ces trois documents qu'il nous finit lancer aujourd'hui là, c'est principalement pour nous connaître exactement où nous pouvons aller, les paramètres à suivre et aussi qui plan nous pour élaborer au cours de l'année. Je trouve les facilités qui peut mettre en place pour qu'il peut faciliter la vie de tous les Mauriciens. Et quand nous cause et les entreprises, parce qu'ils ont dit à travers tout le monde e-services que nous mettons en place, nous prenons l'exemple, longtemps, un employé d'une entreprise privée ou un employé du gouvernement est utilisé à déranger quelque part, il n'y a pas de travail, il prend du congé ou quand il prend du off, pour y faire seulement des démarches administratives. Ils ont dit nous peut permettre les de par les plateformes qu'il faut mettre en place, faire tout une procédure administrative online et il peut permettre en même temps rester dans ce travail, une plus efficace dans ce travail et pas perdre du temps et l'entreprise aussi peut bénéficier de ça. Le portail, c'est-à-dire le web du gouvernement, le page web même qui est en pleine transformation, là, je vous lance bientôt, effectivement, il prend un portail qui est plus accessible, pour une plus facile et pour beaucoup plus de facilité qui pourrait bénéficier. Surtout la ligne évoluée à travers tout le monde de services que nous finissons mettre en place. Il y en a plus que 150 e-services aujourd'hui. Et là, nous finissons lance dernier, c'est le road tax. Et bientôt, nous pouvons faire l'enregistrement des véhicules online. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de déplacer à l'enregistrement, à l'NTA pour les transférer ce véhicule. Et aussi, ça peut permettre aussi, élimine beaucoup cas de fraude, même sur des terrains, même sur des véhicules. Et ça peut permettre la police de travailler plus efficacement et perdre moins les temps. Beaucoup d'applications nous permettent en place pour qu'Iman Mauricien service. Nous prenons un simple exemple de domestic violence et c'est un simple clic. La personne est localisée quand il est exactement. Et mon pensée, ça finit aussi, heureusement, nous finissons trouver, heureusement, mais bien content qu'il s'est arrivé, je trouve moins de cas parce qu'ils ont connu maintenant. Les agresseurs connaissent que la personne a des outils dans son armée. Il y a des outils, quand il presse l'eau là, il peut être localisé quelque part et action pour venir tout de suite. Et ban qui derrière le hotline aussi pour vous en répondre si demain il y en a qui te manque moins. Et tout ça, on peut faire pour améliorer le système, mais aussi pour dissuader des gens, pour faire quelque chose qui n'est pas bizarre. Quand nous finissons la transformation à Maurice, est-ce qu'il nous finit la perte d'emploi? La question est non. La question, c'est de s'adapter. Aujourd'hui, nous avons un problème de c'est-à-dire, nous payons même la quantité de personnes pour travailler. Mais rien ne dit qu'un système peut rentrer en place équivalent à perte d'emploi. Moi, mon pensée est plus à une équivalence de s'améliorer soi-même. Même au niveau de l'agriculture, nous faisons une cause, nous faisons trouver à travers le dernier AI conference qui finit là. Et en Inde, par exemple, l'agriculture finit progresser par 10 à 20%. Donc, c'est énorme et si nous capables de mettre ça en place à Maurice. Et c'est-à-dire, augmente la productivité, augmente l'efficacité et l'hypo change tous les secteurs. Mais tous les systèmes pour appeler à changer et ça, l'intelligence artificielle, pour avoir plus de productivité. Et en 2019, les 250 points de Wi-Fi pour lancer bientôt, maintenant au stade de tender, one skilling complété, nous pour lancer 250, plus que 250 en fin de compte, pour avoir de nouveaux spots de Wi-Fi.